Allô tout le monde! Aujourd'hui, on est au Choc Attack à Mont-Saint-Hilaire pour découvrir le menu keto. Regardez, je vous montre ça. Une belle petite bagnole. L'ambiance est vraiment cool dehors. Alors, voici le beau petit menu keto. Mais on a un beau menu ici à l'entrée, des gelatines, hot dogs. Ça, c'est pas le menu keto. Les burgers, regardez-moi ça, la variété. C'est malade! Et voici maintenant le menu keto. Checkez ça, le plafond. Alors, je vous présente Claude, le gérant du Choc Attack. Directeur général du service à la clientèle. Wow! Puis je vous dis qu'il prend ça à cœur. Oh que oui! Puis là, vu que tu connais beaucoup le Choc Attack, oui. C'est quoi ton repas préféré ici, toi? Honnêtement, le Choc Keto au bœuf. Hein? Ben, il est tellement débile avec la iceberg, la bébé iceberg qu'on coupe en deux, on met les ingrédients à l'intérieur. Oh, c'est tellement débile. Voici l'excellent plat qu'on a pris au Choc Attack. Alors moi, j'ai une poutine au bœuf Angus avec truffe de céleri rave. Mario a pris la poutine aux oignons caramélisés et au canard confit, si je ne me trompe pas. Burger triple A aussi. Et moi, j'ai pris un petit burger avec poulet grillé, fromage cornichon, mayo. Alors, Mario qui va goûter à sa première bouchée de poutine. Ça sent bon? Ok, oui. Fait que là, tu veux plus me parler? Tu veux juste manger? Non. Fini? Coupé? Allez, coupé. Très bon. Pour le test de goût du burger, peux-tu nous présenter? Montre-nous qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Toi, c'est le burger triple A. On a une galette là-dedans, une galette de viande. Tomate. Ah, il y a de l'avocat. Très keto. Oui. Toujours et le pain en bas. C'est une mayonnaise. C'est une mayonnaise au piment. Toi, t'as pris jalapeno. Oui. Parfait. Avec le bon morceau. T'as le goût. Ça paraît-tu que c'est pas un burger? C'est pas un pain burger? Non, c'est quand même assez bon. C'est débile! C'est vraiment bon! La mayonnaise est un petit peu épicée, juste correct, épicée, et c'est très très bon. C'est-tu trop épicé? Je vois que tu rougis un peu, là. Non, c'est pas trop épicé. T'es capable d'en prendre? Oui, c'est bon. C'est approuvé, c'est vraiment bon. Moi, j'ai pris la poutine au bœuf triple A. On a du beau fromage là-dedans. Champignons, la petite sauce. Bon, on va goûter à tout ça. Ça paraît-tu qu'il y a quelque chose, cette poutine-là? Ben, je te mange tout, quoi. Test de goût approuvé, ça, c'est clair. Ah, puis j'ai droit à celle au confit de canard qui arrive, hein? Mais elles sont toutes bonnes. Bon. J'aimerais ça un jour vous dire que c'est pas bon ce que je goûte, mais là, c'est pas de ma faute. De ce temps-là, tout est vraiment bon. Fait que je me régale vraiment. Fait qu'on est rendu au moment du dessert. On va y aller avec des paletas. On a ici des petits choix totalement keto. On a vanille, mocha, framboise et vanille. Puis on peut même le tremper dans le chocolat. Regardez ça! Il est partout! Il est partout, Claude! Il est partout! Fait que moi, je vais y aller avec celui aux framboises trempé dans le chocolat. Keto! Yeah! Ouais! Fait qu'on a droit au trempant. Chocolat noir! Oh, hop, hop, hop. Ça a l'air cochon, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que tu goûtes avec le chocolat noir? C'est plus sur le vert que sucré. C'est très bon! Fait que ceux qui n'ont pas la dent ultra sucrée, vous allez vraiment adorer. Puis moi, j'aime ça sucré dans la vie, mais pour vrai, avec le petit sucrette, j'adore! Fait qu'au niveau du test de goût, c'est très approuvé. Je sais que vous aimez ça, que je parle des ingrédients. En fait, j'ai regardé un petit peu. C'est sûr que c'est pas parfaitement clean, mais ça reste une gâterie, là, une sortie au resto avec des amis. Moi, je vous conseille le Choc Attack. Les burgers sont débiles. La poutine, elle est immense. Puis pour vrai, là, ça paraît pas que c'est plutôt là. Moi, je pense qu'une petite gâterie, une fois de temps en temps, ça fait la job. Ça goûte le bonheur. Ça goûte le Choc.